Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 317 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Red Risk. Red Risk, alors j'y ai démarré un tout petit peu avant, et donc vous allez pouvoir voir, en fait c'est juste du jeu d'arène où vous avez des runs, vous avez des zombies, et vous tapez du zombie. Et bon, on va le voir ensemble. J'ai les yeux complètement déchirés à cause de tout ce qui est allergie. Alors, on va choisir notre personnage fort en damage, il est fort en damage, voilà. On save, on se met en mode tout seul, Red Arena. Scratch, Painless, Bloody. Alors pour l'instant, on va se mettre en pas trop dur. No rank point, tricky Red, Red Arena, Bloody Grass. Ok, et ben on est parti pour la première arène. Désolé, j'ai vraiment un œil qui gratte, un truc de fou. Alors on se déplace avec le clic droit, on attaque avec le clic gauche en cliquant sur l'ennemi. On a un skill sur la barre espace, les items, voilà. La map, le chat, voice chat, c'est parti. Welcome to the Red Arena. Et je suis ready pour le round 1. Et on a un compteur donc en bas qui nous dit combien de temps on a survécu. Et on a des nanas qui dansent aussi au milieu là. Allez, c'est parti. Là, je sais qu'on a des items, mais j'ai pas tout à fait encore tout compris. Allez, c'est parti. On attaque du zombie. Ya. Ha. Il y a des petits bugs, hein. Je clique un peu dans le vide des fois. Voilà, est-ce qu'on a fait le round 1? Ah non, y'a un. Putain, ça va être une sorte de boss à la con. Yo. Alors, est-ce que je peux acheter des items là? Il wound repair axe. Satisfy hunger, satisfy first. First hunger, il faut. Ok, donc pour ça, il me faut des crédits. Et pour l'instant, bah, j'ai pas trop de crédits. Voilà. Round 2. Et c'est parti. Oh, il va vite celui-là. Il crève vite. J'ai pas trop compris où était ma vie encore. Ranger. Oh, j'ai eu un succès. J'en avais déjà eu deux. Il y en avait un juste en démarrant la première partie. Et là, j'en ai eu. J'en ai eu un en démarrant la première partie, en finissant la première fois le boss du premier niveau. Et puis là, je suis en total open. Open de je sais pas quoi, parce qu'en fait, et hop, je connais pas du tout le niveau. Voilà, vous cliquez, vous avez un certain, voilà, un certain reload time, on va dire. Oh putain, le boss. Oh le salaud. Alors, j'ai gagné des crédits, on va voir qu'est-ce qu'on peut gagner. Satisfy Thrive, hein, Repair Axe, Heal, hop, je me remets de la vie, voilà. You have been healed. Bon bah ouais, et puis c'est parti pour le round 3. La musique est sympa, par contre c'est un peu limité pour l'instant en action. Fait mal ce truc. J'ai eu un élite dès le début. C'est pas semblant. Oh putain, j'ai des élites. De base, quoi. Ça va que j'ai le skill qui envoie du pété, quand même. Oh putain, il va y avoir le boss, il est où? Ah non, c'est pas un boss.
Ma vie est toujours à 200%, donc pour l'instant, ils m'ont pas fait trop mal. J'ai reçu des crédits, pour l'instant, rien de compliqué. Satisfy sur Satisfy Hunger. Hunger 20%, il 20%. You are not hungry anymore. Ok. Oh putain, les araignées. Salope. Ça aussi, ça se tue vite. Mais ça fait mal par contre quand ça touche. Succès des rariers, finger. Ah, il vaut mieux leur faire une attaque spéciale quand il y en a plein. Ça fait mal. Ils font mal les araignées, salope. J'aime pas les araignées. Ça fait mal les araignées. Est-ce qu'il y a une reine araignée quelque part? Est-ce qu'il y a une reine araignée quelque part? Ah oui, une grosse reine araignée, salope. Il y a un petit bug sur la plateforme, j'ai l'impression. Ce jeu, il est pas tout à fait au point. Ok, j'ai reçu des crédits. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Satisfy first if. Bah, on va se remettre un petit peu... Ah non, ma hache, je sais pas jusqu'à combien elle est. On va se remettre de la vie. Mais ma hache, je sais pas... Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'item ni quoi que ce soit. Allez, round 5, c'est parti. Round 5. Mais c'est bizarre quand même comme spectacle. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin? Elle marche sur des araignées, la bonne femme. Ta mère. C'est toujours des nouveaux ennemis à chaque level. Chaud. C'est chaud ce machin. Je me fais quand même bien démonter quand même. Les araignées elles font vraiment mal, salope. Level up. Tactical. Je sais pas ce que ça m'apporte de level up, mais en tout cas ça doit faire quelque chose. Et ben j'ai bien niqué ma vie sur ce truc là, et c'est pas fini, il doit encore y avoir une grosse bébête quelque part. On va faire gaffe à ma vie. 48%, ça pue la merde. Je suis empoisonné. Bon, est-ce que 26%, ça pue la merde, ça pue la merde, faut pas que je meure. Oh, je suis mort. Ah non. Ah non. Oh putain, comment j'ai failli claquer quoi. Ah, je suis obligé de regagner ma vie avec ce crédit là. Je suis désolé. Je pourrais rien faire de plus. Je crois que je vais claquer au prochain niveau. J'ai survécu 450 secondes, c'est pas mal. Ah, je sens que là il va y avoir de la grosse bébête. Où ils sont mes ennemis? Oh putain, c'est quoi ce machin? Ah, c'est un méga élite. Ok, donc là j'étais juste en train de perdre ma vie à cause des putains de bugs de ce putain de jeu. Stunted. Ah ouais, en fait il me stun. Ah ouais, comme si c'était pas assez dur quoi. Putain, il m'a stun, je peux pas bouger quoi. M'enlève les trois quarts de ma vie, ce fils de con. J'ai claqué là, c'est sûr. Bah, il fait que de me stun, il fait que de me stun, stun sur stun, qu'est-ce que tu veux que je bouge? M'enlever les trois quarts de ma vie. Ah, bah, il m'a stun à 10 km.
Voilà. Killed by Infected. Wouh! Game over. Et bah c'était sympa, mais à 100% infecté. Ah bah oui, succès déverrouillé, je suis mort, c'est génial. C'était sympa, par contre, du coup, on va passer à en refaire une deuxième partie. On a fait 5 rounds, c'est plutôt sympa, enfin, c'est plutôt assez long. Et puis, on a vu le délire, alors on a plusieurs personnages. Il y en a qui font plus de dégâts, plus l'autre qui mettent plus, qui sont plus rapides à recharger. Ah oui, de toute façon, pour l'instant, il n'y a que 2 persos. 3. Donc c'est sympa, j'ai survécu 600 secondes. Et puis voilà, et j'en ai tué 138, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va se laisser, donc je vous laisse sur cette vidéo. Donc on était sur le jeu, merde, comment il s'appelait? Red Risk, donc je vous conseille d'y jouer. Il est sympa pour ceux qui aiment bien le voilà, tuer les zombies, de l'araignée, du monstre, pas joli. Ça peut être assez stressant, là. Des fois je me suis dit, putain, voilà, tu vois, c'est ça. Mais bon, je trouve que c'est. Il pourrait y avoir un peu plus d'items, un peu plus de choses. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu pauvre. Donc je sais pas, peut-être que je suis pas allé assez loin. En tout cas, je pense que voilà. C'est répétitif derrière, quoi. Après, ils ont un niveau. Hein. Voilà, on est d'accord, ils ont un niveau. Level 5 tactical, 5 sur 10. Peut-être que c'est un intérêt aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse commenter si vous avez quelque chose à dire sur ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai une prochaine vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Allez, portez-vous bien, salut !